ressuscité. Tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, amen. Ils ont tous chanté sa victoire sur la mort. Proclamons aussi son nom. Alléluia, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Dieu qui a appelé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: j'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenu aux quatre coins, venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: ce que Dieu a déclaré pur, toi,
ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par trois fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent trois hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les six frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans la maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant, « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Et Dieu vivant, on a la soif. Altéré sans eau, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu. Bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre. » Et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui,
il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés du Christ, vous qui nous suivez depuis la télévision catholique nationale, ce matin, nous voulons ensemble méditer la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Et en écoutant bien, nous réalisons le sens de la véritable conversion. Cette conversion qui brise les barrières et qui nous donne tous de devenir frères. En effet, voilà que Pierre, apôtre du Seigneur, dans sa marche de tous les jours, se met à table à partager le même repas que les nouveaux convertis. Partager le repas symbolise la fraternisation. Les juifs et les non-juifs, par l'entremise de Saint-Pierre, commencent une nouvelle vie, mais cette vie dérange. On reproche à Pierre de manger avec des incirconcis. On reproche à Pierre de partager le repas avec des chrétiens, mais qui ne sont pas circoncis, du coup des païens convertis. Pour les juifs, pour eux, les juifs devaient manger à part et les non-juifs manger à part. Or, en Christ, il n'y a plus de païens, il n'y a plus d'esclaves ni hommes libres. Nous sommes tous des frères. Et c'est ce que le Christ nous enseigne. Si nous sommes dans une même église, nous devons apprendre à vivre la communion fraternelle. Malheureusement, il ne se passe pas de jour sans qu'on ait des rivalités. Un choriste peut aller chanter avec une autre chorale, c'est un problème. Maintenant, tu chantes avec eux, comme si ce n'est pas dans la même église. Deux fraternités nouvelles de la même église se rivalisent les fidèles. Ce sont mes fidèles. Tu es allé ailleurs. N'est-il pas le même Dieu que nous célébrons? L'Église est-elle divisée? Si nous nous croyons, si nous nous appelons chrétiens, nous devons apprendre à briser nos barrières, à briser les barrières de nos intérêts égoïstes. Parce qu'en réalité, ce qui fait que nous nous rivalisons, c'est à cause du gain matériel. C'est à cause de la nourriture que nous gagnerons de la part de nos frères. Et nous avons du mal à partager. Le sang du partage a fui. Nous sommes méchants. Nous sommes dans l'Église en étant méchants. Nous sommes dans l'Église en ayant un cœur impur. Et nous vivons la réalité de Caïn et d'Abel. Caïn et Abel sont des frères. Caïn fait des offrandes à Dieu, Abel fait des offrandes à Dieu. Mais le cœur de Caïn est mauvais. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui dit de changer son cœur, parce que la mort est à sa porte. Mais la méchanceté de Caïn a poussé Caïn à mettre à mort son frère. Les deux ont fait des offrandes. Mais l'une des offrandes a trouvé grâce auprès de Dieu et l'autre non. Pourquoi? Parce que le cœur était loin de Dieu. Nous pouvons être à l'église. Nous pouvons faire des offrandes à Dieu.
Nous pouvons chanter Dieu, nous pouvons servir Dieu, mais notre cœur peut être mauvais. Les hommes peuvent recevoir la grâce de Dieu, mais nous-mêmes, nous pouvons nous éloigner considérablement de Dieu. C'est pourquoi saint Paul dira, « Je traite durement mon corps, afin qu'après avoir annoncé la bonne nouvelle, je ne sois pas moi-même jeté aux enfers. » La réalité du chrétien, sinon ce qui doit conduire la vie du chrétien, doit être le désir de la vie éternelle. Et Jésus-Christ, dans l'Évangile, nous dit que lui, il est le véritable berger. Et c'est sur ce modèle que nous devons copier nos pas. Nous devons enregistrer nos pas sur le modèle du Christ. Parce que le véritable berger, le véritable chrétien, c'est celui-là qui vit d'amour et de charité pour l'autre. Celui-là qui a le souci du bien communautaire, du bien du frère. Se réjouit du bonheur de mon frère. Se réjouit de la joie de mon frère. Que l'Eucharistie de ce matin nous ouvre à la charité véritable. Que l'Eucharistie de ce matin nous donne d'être de véritables témoins à l'image du Christ bon berger, maintenant et pour les siècles des siècles.